Plus au nord, la citadelle d'Arras est elle aussi classée à l'UNESCO. Elle est aujourd'hui l'exemple de la renaissance de ce patrimoine militaire. Depuis le départ de l'armée en 2009, on assiste ici à la création d'un nouveau quartier. On est dans la nature en pleine ville. Ce grand espace qui était fermé complètement à la ville, comme de la caserne, et maintenant on a la chance de pouvoir s'épanouir dans ce lieu. Avant, c'était pas entretenu du tout et c'est un terrain où on ne pouvait pas aller, il était occupé par les militaires. On a mis à la fois l'histoire et le plaisir de courir. Jean-François Dubois fait partie de ceux qui ont fait le pari de s'installer dans la citadelle. Ce matin, il rejoint les remparts. Derrière cette porte en acier, dans le remblai d'un bastion, se cache son trésor. Jean-François est affineur. Et c'est sous la terre que vieillissent ses fromages. On arrive dans notre cave naturelle. Il y a un long couloir et puis après, cette grande salle voûtée que vous allez voir. 3, 2, 1. Ça, c'est le trésor, voilà. 4 mètres de voûte, pierre naturelle, le bois pour l'affinage. On est vraiment sous les remparts. Au-dessus de nous, il y a le chemin de ronde. C'est probablement des espèces de magasins stratégiques dans chacun des bastions pour abriter les hommes, le matériel. Quand ces anciennes réserves ont été mises en vente, Jean-François a compris tout de suite leur potentiel. Après quelques travaux, ces lieux ont été transformés en une cave naturelle, unique en son genre. Souvent, mes confrères dans d'autres régions de France, ils ressentent le besoin de lui donner un petit prénom à ce gouda. Alors, c'est le gouda Vauban, c'est le gouda d'Arras, voilà, ça lui donne un petit peu sa spécificité, son petit nom, son prénom, voilà. Le gouda Vauban, voilà.